Yo les amis, si vous tenez bien, on se retrouve sur Fourmi Simulator. Aujourd'hui on est dans la peau d'une fourmi, donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc je suis bel et bien dans la peau d'une fourmi, et là il y a des sortes de petits tic-tac devant moi. Bah vas-y, je me fais plaisir. De toute façon, tout le monde sait que les fourmis ça mange des tic-tac, hein. C'est tout à fait logique. Je sais pas pourquoi ils sont devenus verts par contre. Alors je peux sauter, je savais pas qu'une fourmi pouvait sauter comme ça. C'est quoi ce bruit? Ah non, c'est une araignée. Ah, ça me dégoûte, putain. Au secours, ça me dégoûte, je déteste les araignées. Putain, c'est une de mes phobies, c'est les araignées. Ça me dégoûte, je déteste ça. C'est moi ou la fourmi, elle parle? What the fuck, c'est quoi ces cris chelous? C'est quoi ça? Ah, ça me dégoûte, c'est une mouche dégueulasse. Ah, casse-toi, je peux monter sur elle? Est-ce que je peux monter la mouche? Ah non, elle se faisait aussi victimiser par les araignées. Oh merde. En gros, si je comprends bien, je suis le repas de tout le monde ici. Du coup, j'ai qu'une seule solution, c'est de me planquer. Mais où ça? Ah, ça, c'est la question. Oh, je viens de sortir une allumette. J'ai une allumette. Je vais peut-être pouvoir combattre les araignées avec ça. Venez, je vous attends, les araignées là. Moi, je suis une fourmi ninja. Moi, je rigole pas, moi. Moi, j'ai peur de rien. Ouh, les petites araignées. Ok, c'est bon, quand il y a ce bruit là, c'est que les araignées arrivent. J'essaie de me battre contre l'araignée. Vous avez vu, je lui fais du mal. Vous avez vu, elle perd du sang. Allez, tue-la, s'il te plaît. Oui, je l'ai eu, c'est bon. Ah, on fait moins la maline maintenant, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux rien faire contre une allumette. Ça revient. C'est bon, une ça va, mais je pense que les autres, j'arriverai pas à les niquer, hein. J'ai déjà perdu de la vie en plus. Est-ce que je peux monter là-haut? Attendez, je vais essayer de monter là-haut. Magnifique. Ah, je me fais attaquer par une mouche ou une libellule. Mais c'est moi vivre, putain. Vous imaginez, vivre dans la peau d'une fourmi, ça doit être horrible, quoi. On est le repas de tout le monde. On est tellement vulnérable en plus. Oh, regardez, il y a un humain là-bas. C'est génial, c'est super bien fait. Je vais essayer de voir si je peux pas aller sur l'humain, en fait. Je suis en train de monter tranquillou, là. Ah, mais je pense que c'est une jeune fille, non? Ou c'est un mec? Je sais pas. Comment je suis censé faire? Attendez, je vais tenter un saut de la mort. Ouh, magnifique. Oh, magnifique. Ça, c'est la gérance, tu vois. Et là, je me laisse tomber. Ok, c'est bon. Je me laisse tomber. Voilà, parfait. Je savais pas qu'une fourmi faisait ce bruit là quand elle tombait. Genre, la fourmi, elle pèse une tonne. Allez, hop, je remonte ici. Oh putain, j'ai cru que j'allais tomber dans la fente. Ça m'a l'air d'être une femme ou un vieux. Un vieux, je crois. Putain, si je confonds une femme avec un vieux, maintenant, ça va plus. Hein. Je vais continuer mon chemin sur cette ligne là. Tout simplement parce qu'il y a les trucs en métal pour pouvoir arrêter ma chute si je venais à tomber dans les fentes. Hop, je saute encore ici une fois. Voilà, nickel. Oh, il y a une poule là-bas. C'est énorme de voir tout ça en grand. Et j'ai confondu une femme avec un vieux. Bah putain. J'ai commencé à me poser des questions, moi. Est-ce que je peux aller près de lui carrément? Je sais pas, lui brûler la main ou quoi. Vous imaginez, il réagit à l'allumette. Je vais essayer de le toucher comme ça. Non, je suis trop loin. Si je m'avance de trop, je vais tomber. C'est ça la merde. Ah, je le traverse carrément. Ok, je le traverse. Hop là, je traverse le vieux. Regardez-le là. Il sait pas que je suis là. Hein. À mon avis, si je vais juste devant la poule, je vais me faire tuer, je pense. Hein. Et si je le touche comme ça avec l'allumette, bah il a rien évidemment. Je le traverse. Et si je me laisse tomber, est-ce que je crève comme une grosse merde ou pas? Attention. Oh bah non, même pas. Ok, normal. Je vais essayer d'aller voir la poule là vite fait. Hey, comment ça va ma poule? J'entends l'araignée arriver. J'entends l'araignée arriver. Mais fous-moi là un peu toi. Vas-y, fais-toi bouffer par la poule. T'inquiète pas, vas-y. La poule c'est mon ami. Vas-y, fais-toi bouffer par elle. Vas-y, moi vous savez quoi, je reste derrière la poule carrément. Non, elle s'en fout. On va devoir aller au combat les amis. C'est parti. Vas-y, je suis sur son dos là. Voilà, comment niquer une araignée facilement. Qu'est-ce qu'elle est conne. Et voilà, je bute l'araignée. Voilà, tu peux pas tester. Oh non, toi aussi dégage. Mais dégagez-vous là. Mais foutez le camp. Mais c'est bon là. Ils ont formé un gang là ou quoi? Mais cassez-vous putain, laissez-moi en paix. Mais sérieux, les araignées qui sont amies avec les mouches quoi. C'est quoi ce monde à l'envers là? Mais casse-toi. Casse-toi. Vas-y, dégagez tous. Eh, vous m'avez saoulé. C'est bon, allez, je vais tous vous niquer. Vous m'avez saoulé. Voilà, toi, je te bute l'araignée. Elle veut pas crever, celle-là. Elle veut pas crever. Mais crève. Crève. Oh putain, on est tombé sur une araignée d'élite là. C'est certainement la reine des araignées, j'en sais rien. C'est bon, les morts. Mais cassez-vous. Eh, les amis, c'est abusé là. C'est vraiment abusé là, on est d'accord. C'est exagéré quand même. Quoi? Trois mouches? Mais putain, mais c'est pas normal ça. C'est quoi ce truc dégueulasse là? Tout le monde veut ma peau ici. Pourtant, je fais rien de mal. Vous savez quoi? Je vais prendre mes tic-tac de toute façon. Y'a que ça de vrai. Ah, mais les tic-tac, c'est peut-être ma vie. Bon, je sais pas. Ma vie, elle est en bas à gauche. Mais je sais pas si les tic-tac, bah ça me redonne de la vie. Vous savez quoi? Je vais essayer de partir faire un autre chemin. Oh putain, l'araignée aurait dû se faire écraser par le gars là. J'ai pu aller par là une fois. Y'a une petite maison là-bas énorme. Je viens d'escalader un truc là. Et je viens d'éviter justement mes ennemis ici. Donc tant mieux. Y'a des tic-tac là-bas. Y'a une maison. Je vais essayer d'aller vers la maison. Vous savez quoi? J'ai sauté ici. Et hop, je vais essayer de contourner un petit peu là. Oh, ils arrivent. Vous savez quoi, la technique c'est de sauter tout le temps en continu comme ça. Je vais essayer de voir si je peux pas me planquer dans la maison là. Tu vois, si ça tombe, c'est un petit peu mon QG. Dedans, il y a des guns et tout. Je vais pouvoir mitrailler les araignées, les mouches. Il y a une statue. Vas-y, il y a une statue de singe là. Ou je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est un éléphant. Pff, comment j'arrive à confondre un singe avec un éléphant, putain. Je peux pas rentrer. Merde, je peux pas rentrer. Ah, mais je suis protégé ici. Parfait. Regardez, elles sont restées coincées dans l'éléphant. Mais voilà, je le savais que l'éléphant c'était mon ami. Génial. Je vais me casser d'ici. Je vais prendre un petit tic-tac au passage. Oh putain, les araignées sont là. Au secours. Au secours, au secours. Il faut que je me casse. Je vais essayer d'aller là-bas. Oh merde, je vais bientôt crever. Non, non, non. Encore quelques coups et je suis mort là. Non, c'est pas possible.
C'est pas possible. Allez, il faut que j'arrive à monter là. Parfait, magnifique. J'ai géré de ouf. Par contre, eux, ils savent voler. Donc, je vais prendre les tic-tac. Et ça me fait bien reprendre de la vie. Parfait, ça. Je viens de louper un tic-tac là. Tant pis, c'est pas grave. Je peux pas revenir en arrière. Je vais monter là-haut, là-bas. Vite. Ma vie se régénère aussi toute seule, en fait, quand j'attends un bon petit moment. Mais arrêtez là, ils exagèrent là. Sérieux, dégagez. J'ose pas me retourner, en fait. Je suis sûr qu'ils sont au moins 4-5 derrière moi. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vais crever, les amis. C'est stressant de ouf. Aïe. J'ai plus aucune chance là. Mais ouais, regardez combien ils sont là. Oh, mais non, ils sont à 4 contre moi. Une araignée. Oh putain, ça me dégoûte. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte, putain. Dégagez. J'ai des frissons là. Oh là là. J'ai réussi à les éviter, je sais même pas comment. En fait, en allant dessus, j'ai réussi à les esquiver quoi. Mais what the fuck. Il y a des belles tongs au passage là à gauche. Aïe. Il faut que j'arrive à monter ici. Parfait, putain, j'ai réussi à m'en sortir. Je sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Vous avez vu le paquet qu'ils étaient? Rien que de les regarder, ça me donne des frissons, quoi. Ça me dégoûte. Imaginez ce jeu-là avec un truc de réalité virtuelle, là. Style un Oculus Rift ou quoi. Laisse tomber, hein. Moi, je décède. Allez, je me casse. C'est pas trop s'il y a un objectif dans ce jeu, hein. Je pense pas. Hein. Allez, ramenez-vous tous, là. Je vais tous vous déglinguer, moi. Allez, venez, bande d'araignées de merde que vous êtes, là. En plus, le PC, il a vraiment du mal, tu vois. Alors que le jeu, c'est juste une fourmi qui se balade, quoi. Vivement mon super PC au mois de septembre. Là, je pourrais faire tourner tout ce que je veux. Ce sera juste le paradis, quoi. Allez, dégagez tous, là. C'est bon. Non, mais cassez-vous. Y a plus de respect. Là, allez, dégagez. Oh, vous savez quoi, vous êtes de trop. Bouffez-moi, allez-y, bouffez-moi. Faites-vous plaisir, c'est bon. C'est moi qui offre. Ah là. Les enfoirés, regardez ça quoi. S'acharner comme ça sur une seule pauvre petite fourmi. Et les mouches sont amies avec les araignées. Alors qu'à la base, les mouches, c'est le repas principal des araignées quoi. Mais what the fuck. Franchement, c'est du racisme. Ça m'a dégoûté. Ce jeu, il m'a dégoûté. On va se laisser là, les amis. Les jeux comme ça avec du racisme ainsi. Non, ça va pas. Là. Je suis désolé, ça va pas. Bon, en tout cas, j'espère quand même que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez bien, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Ça fait toujours plaisir. Que je vous ai pas trop dégoûté avec ce vieux jeu. Limite, on a de la compassion pour la fourmi, alors que dans la vraie vie, on s'en bat les couilles. Mais bon, voilà, en tout cas, les amis, sur ça, j'ai envie de vous dire prenez soin de vous, portez-vous bien, et on se laisse sur une vue d'araignée juste magnifique.